Triste fin de Lord Ravenswood ou l'histoire du fantôme Manor. Avant toute chose, voici un avant-propos et des petites informations. Phantom Manor est une attraction de type parcours scénique située dans le parc Disneyland à Disneyland Paris. Il s'agit de la version européenne de l'attraction Haunted Mansion, ancien concept du train fantôme revisité par Walt Disney et son équipe d'Imagineers. L'attraction est à la fois humoristique, divertissante et particulièrement développée sur le plan esthétique. Cette attraction a vu le jour le 12 avril 1992, l'année de l'ouverture du parc. Elle devient pilier du parc, avec d'autres elle inclut une légende et une histoire aux gens. C'est au travers de la légende 6 juin que je vous invite à écouter une histoire sous forme de légende elle-même inspirée de l'attraction. Voici la courte légende de base. Le manoir appartient à Ravenswood, une riche famille vivant à Thunder Mesa, une ville fondée à la frontière du 19e siècle. Elle est située sur les collines de Bootsville, près du cimetière. Le père de famille Ravenswood, Henry, est quelqu'un de très possessif. Il n'apprécie guère que sa fille, Mélanie, se rapproche d'autres hommes. Celle-ci a durant sa vie eu 4 prétendants. Barry Claude, tué par un ours, le capitaine Rowan Falls, mort dans une chute de cascade, Ignatius Iggy Knight, le responsable de la mine de Big Thunder Mining Company, décédé d'un bâton de dynamite qui a accidentellement été allumé, et Sawyer Bottom, tranché en deux par une scie. La rumeur dit que Henry Ravenswood est le responsable de toutes ces morts. Mélanie sera restée toute sa vie une future mariée. Voici maintenant l'histoire que moi, je vous offre. Dans ma fringante jeunesse, j'avais écrit déjà des romans. Peu de succès et peu de retours. Mais la passion d'écrire et le petit salaire chichement dépensé dans le but de vivre comme les grands artistes et auteurs me plaisait vraiment. À cette époque, je souffrais du syndrome de la page blanche, et mon travail me poussait à chercher de l'inspiration. Et pour cela, j'ai pris toutes mes économies et j'étais parti vers l'ouest. Avant tout, un train en direction d'El Paso, ville phare du Texas. De là, je vais bouger dans les directions qui me semblaient le mieux, et aussi le plus rentable. Il me fallait des lieux simples, bon marché et très fiables. Voire peu fiables, en fait, peu importe. L'histoire qui, à ce jour, à relancer ma passion d'auteur, se passe durant un été. Je fus sur la route qui devait me remonter, voulant éviter le Mexique. Cela faisait des jours, des semaines, je ne sais plus. Mon cheval était épuisé et fatigué. Nous avions quitté Saint-Denis depuis un temps que j'ignore et qui m'échappe sûrement. Pris sous la pluie et finalement sous l'orage, j'avançais sans relâche, sans fin. C'est alors que dans les ténèbres de la nuit, alors que, trempé de haut en bas, la main tendue avec une lanterne et la corde reliée à mon cheval dans l'autre, je marchais comme je pouvais, je vis une lumière sur un panneau. Soulagé, je me stoppai devant le panneau et relevai mon chapeau pour exprimer un soupir de très grand soulagement. Frontierland. C'était écrit dans le bois. Une petite phrase en dessous, mais illisible. Frottant un peu, je pus lire ou deviner quasiment la phrase « Nouvel espoir d'Amérique ». Alors je pris l'allée, qui passait entre des maisons toutes bien rangées les unes en face des autres. Au bout d'un moment, j'arrivais à un carrefour. Au loin, sous la pluie et grâce à la foudre, je devinais une montagne au milieu de ce qui semblait être une rivière. Une rivière gonflée par la pluie. Sur ma gauche, je distinguais alors un saloon nommé le Kinogate Saloon. Alors que j'allais y entrer, un éclair déchira le ciel et je le vis, une demeure immense qui surplombait toutes les autres. Je ne distinguais pas la maison, ou peut-être devais-je dire le manoir.
Inquiet et intrigué, je franchis les portes du saloon. C'était un établissement pittoresque, qui m'accueillit avec du sec et du chaud. Dans la pièce, du rade, il y avait un serveur au visage gris derrière son bar, un barman à côté qui me regarda de haut en bas, et des silhouettes de cow-boys et d'hommes de ville qui fumaient et picolaient. Le pianiste reprit sa musique alors que je venais au comptoir. Je retirai mon chapeau et écharpe et restai un peu loin. Le barman, un type aux rouflaquettes horribles, me regarda avec un sourire sinistre. Alors je demandai une chambre et un repas chaud. Le bonsoir est traché. Oui, il me reste de la place. L'hôtel est à vous, car ici, voyez-vous, les touristes ne viennent plus. Frontierland ? Oui. Oui, je vois que vous êtes renseigné. Il s'agit en effet de Thunder Mesa. Que ? Vous êtes auteur ? De. De livres. Vos trucs sur le fantastique ? Formidable. Vous êtes bien renseigné, Altesse. Ici, vous êtes à Frontierland, au Mexique. Ah oui, ça pourrait être perdu, vous êtes perdu. Oui, d'où le surnom de... Comment ? Une nuit, demain vous partirez. Non, je ne veux pas qu'un touriste reste ici. Cette ville a eu sans lot de malheurs, et de pauvres victimes de votre genre ont connu bien des destins funestes. Je peux vous nourrir, oui. Un ragoût, oui. Fort bien. Miss Morling vous montrera le bain dans la salle prévue à cet effet. Vous souhaitez commencer par ce bain ? Certes. Je vous mets une chambre à lit double ? À l'étage, dans ma chambre, je me glissais dans un bain quelques minutes après. Des victimes, avait-il dit ? Pourquoi ? La peste avait-elle frappé Thunder Mesa ? Et cette pluie qui avait frappé sans prévenir dans le désert ? Le bain pris, moi changé, en bas devant un dîner rustique et copieux. Je fus alors approché par une serveuse qui me proposa un verre, que je pris. Alors je vis, près du feu, et quelques silhouettes quittaient les lieux. Le patron ferma le saloon et il s'approcha. Mes excuses, monsieur, j'ai été assez sec tout à l'heure. Puis-je vous offrir un verre en plus, notre bouteille ? Le whisky est bon, oui, dans le coin. Nous avions besoin de nouvelles têtes et... Oh oui, bonne soirée, Anna. Oh, chez vous, à vous aussi, prenez votre journée demain. Mes excuses, monsieur, ici nous avons connu notre lot de malheurs et... Comment ? Ah, il est visible que vous n'êtes pas de la région. Non, non, ce n'est pas un défaut. Dans le cas inverse, si je venais chez vous, d'ailleurs d'où ? La capitale ? Eh bien, mon bon monsieur, il est clair que vous ne avez pas fait bonne route. Mais ça, par contre, vous en avez fait de la route, hein, on peut le dire. Non, il est arrivé des choses étranges ici. Je vais vous poser une question. Connaissez-vous la famille Ravenswood ? Au moins de nom, non ? Avez-vous jamais vu la demeure en arrivant ? Oui. Celle sur la petite colline. En effet, celle-ci. Une maison hors norme, à ça on peut le dire. Pour un propriétaire qui a connu le destin le plus funeste de la ville. Dans des temps anciens, monsieur, Lord Ravenwood était arrivé dans le sud du pays par bateau. Parti de la capitale, il avait cherché des mines d'or et est arrivé ici. Ce type a acheté les mines. Avez-vous vu, monsieur ? Si, sur la rive. Oui. Tout à fait, les collines, de l'autre côté de l'eau. S'il y a des choses importantes que vous devez savoir. Je pris un bloc-notes. Mon travail d'auteur m'avait mené à différents endroits d'Amérique. Mais là, il se passait quelque chose. Le frisson. Le frisson du sentiment que j'étais sur le point de trouver quelque chose ou une source formidable pour écrire quelque chose. Alors, je fus prêt à entendre ce que cet homme sympathique, mais pas aux premiers abords, allez-vous me dire, allait me raconter. J'étais prêt à tout entendre, mais à ce jour, alors que je pose ces mots, de retour chez moi, je me rends compte que finalement, ce qui fait le théâtre de la tristesse reste au fond le sentiment de l'impuissance de ne pouvoir faire quelque chose, ou quoi que ce soit, pour aider ou donner un souffle d'espoir. L'histoire prend donc pour début l'arrivée de Ravenswood ici, dans Thunder Mesa. Alors, à l'époque, voir cet homme venir, c'était pour nous un grand moment. Il fit bâtir cette demeure et s'y installa avec femme et enfant. Il recruta les domestiques et déposa un brevet d'exploitation minière. C'était un homme au visage long et au visage creux, et à l'expression sévère. Non, monsieur. Il était, dirons-nous, et selon lui, du moins, c'est ce que penseraient les gens ici, d'une nature très peu amicale et proche des citoyens. Pour lui, seul le travail compte. Pour lui, tout semblait possible parce qu'il était Lord Henry Ravenwood.
Il était un homme qu'on ne voyait pas vraiment, mais qui avait des mines et des hommes dans la ville. Mon père, monsieur, était un des employés. La paye fut bonne. Il a acheté ce rad et en a fait un établissement de boissons. Honnêtement, monsieur, la ville a vécu de glorieuses années. Tout était joyeux vivant. On aimait bien ce genre de choses, mais le soleil ne dure pas et l'orage arrive, dirons-nous. L'homme me servit un verre d'une bouteille qu'il prit derrière son comptoir et me proposa un cigare. Je refusai. Il fuma alors et ajusta le feu avec calme. Cette histoire m'intriguait vraiment et je me demandais sérieusement ce qu'il allait m'annoncer. Car je vis aucune ombre au tableau. C'était comme un soudain courant d'air qui me fit frissonner. Et je sentis par la suite que je n'allais vraiment pas, mais alors pas du tout aimer cela. Les contes sont les seuls qui finissent bien, monsieur. On ne compte pas alors, quelques 20 ans plus tard, le nombre de visiteurs qui se sont présentés pour prétendre à la main de Mélanie. Mélanie, monsieur ? Oui, la fille des Ravenswood. On y a vu notamment de grandes fêtes. Il y avait Jarrod Smith, le capitaine du navire qui est accosté, est en état de ruine sur la rive. Un homme au caractère bien ferme, mais Henry Ravenswood ne le voulut pas. Sont venus aussi Carrison Todd, le tenancier de l'affaire de bois, un homme courtois et bon vivant que Ravenswood envoya sur les roses. Teddy Gladius et Spiegel Farmer se sont battus en duel pour la main de cette jeune fille, mais rien n'y fit. Ravenswood restait sur sa position. Oh oui, elle était une grande beauté, une jeune fille au visage tendre. On la voyait très souvent en ville. Elle était la fille Ravenswood et les 3/4 de la population étaient les employés de son paternel. Au fond de moi, j'avais l'impression que il y avait un secret, quelque chose de plus sombre. Et je voyais au regard de l'homme face à moi. Il alluma un cigare et fuma en silence. Seul le bruit de la pluie se fit entendre. Et il fit quelques pas et retira sa veste. J'en fis de même et me dirigeai vers le fauteuil confortable près du feu. Plus tard, mon hôte revint avec une autre bouteille et 2 verres. Alors il se posa dans le fauteuil face à moi, levant les yeux vers le feu. « Oui, monsieur, vous aviez raison, monsieur. Le secret le plus sombre que portent les Ravenswood est lié à la mine. Il prend place quand la gamine des Ravenswood avait alors 14 ans. D'ailleurs, dit en passant, plus tard même Tobias Springs, un des contremaîtres de Ravenswood, ne manqua pas de venir demander la main de Mélanie. Oh, il fut comme tous recalé. Il assista par 2 fois et manqua de perdre son travail. » Ce que je me prête à vous dire, monsieur, est vraiment la source de tous ces ennuis. À ce moment-là, l'affaire Thunder Mesa roulait bien, et Ravenswood encaissait tellement d'argent qu'il en était que trop fier. Un matin, sur place publique, devant l'entrée des mines, une entrée qui donnait sur la maison du trappeur, se trouvaient les Indiens. Le chef, l'Osage, demanda à voir Henry Ravenswood. Quand l'Écossais arriva, il se montra fort méchant mais peu sympathique. L'Indien ne permit pas son sang-froid et lui intima l'ordre de fermer les mines sous peine de réveiller l'oiseau tonnerre. Un frisson immense me parcourut et je crus entendre un cri au loin. Un cri d'épouvante, un cri d'horreur, un cri... Tout ce qu'il y avait de plus glaçant. Je restai là, à jeter mon mégot dans le feu, les yeux perdus dans le virage. Cette histoire me fit froid dans le dos et je n'étais pas sûr de vouloir entendre la suite. Mais mon côté auteur prit le dessus. Main tremblante, je demandais la suite. L'oiseau tonnerre, monsieur, c'est une croyance terrible des Indiens, généralement vue en haut de leur totem, et je pensais vraiment que le loup-sage essayait de faire le bien. Il tenta durant des jours de convaincre Henry Ravenswood, mais sans succès. Il fut vite chassé par la colère de Ravenswood. On ne le revit jamais, et le travail des mines reprit de plus belle. Un jour, on entendit venant de la mine un immense bruit d'écroulement, et on vit alors avec stupeur mais aussi horreur que tout était écroulé. Le deuil fut immense, et tout le monde avait perdu un membre de sa famille. Et la colère de la ville se tourna contre Henry Ravenswood, qui essaya de justifier l'écroulement naturel des roches. Mon père avait toujours su que l'Oussage avait eu raison. C'est là le secret de la malédiction. C'est ainsi, oui monsieur, que Mélanie, quand elle fut en âge de se marier, plus tard perdit tous ses prétendants dans des situations dramatiques. La légende veut aussi qu'elle soit maudite, pour payer les crimes, et depuis, la ville ne fut jamais aussi triste et sinistre. Sachez que, à ce jour, monsieur, les servants ont quitté la maison. Ravenswood fut retrouvé un beau matin pendu dans le hall de son manoir. Et dit-on qu'il enterrait encore les lieux.
Mais le plus sinistre dans tout cela reste sans nul doute le fait que la jeune fille Ravenswood est encore elle-même prisonnière de cet endroit. Parfois, on peut la voir, oui monsieur, à une fenêtre de la demeure. Elle reste seule dans le silence. Parce que, monsieur, la dernière chose que vous devez savoir, c'est qu'un jour, un prétendant à un certain monsieur Balthazar se présenta et eut la bonne fortune de plaire à monsieur Ravenswood. Les fiançailles furent prévues et la ville se trouva rapidement invitée. Ah oui, monsieur, toute la ville. Le parc au nord-ouest avait été décoré. Ce jour-là, j'avais 18 ans et je me souviens de mon père en uniforme militaire pour l'occasion et de ma mère à son bras. Nous avions pris la journée pour participer à cette grande fête. Tout le monde fut présent. La belle et ô combien convoitée Mélanie arriva dans sa robe blanche. Au bras de son père, un complet noir. Comment ? Oh oui, il avait des roues flaquettes et le visage creux. Les yeux étaient sombres et il portait en haute forme. Il était vêtu de noir comme toujours. Ce jour-là, il sourit à la foule, mais son sourire se perdit quand il vit, alors avec horreur, ainsi que tous les autres prétendants, que M. Balthazar ne pointa pas ce jour-là. Nous avions tous été témoins. Tous vu cet homme faire la cour à la jeune fille. L'inquiétude se lit alors sur le visage de Henry Ravenswood, qui intima à l'ordre de retrouver l'homme qui resta alors introuvable. Alors le mariage, qui devait être un jour de vie, devenait un jour de cauchemar. La ville fut fouillée de fond en comble, partout, et fut trouvée alors dans une grange. À ses pieds se trouvait un tabouret renversé. C'est Mélanie elle-même qui le trouva. Cette grange était le théâtre de leur premier baiser. Elle resta alors stoïque. Seul un hurlement qu'elle poussa se fit entendre. Depuis, vêtue comme une mariée, elle attend persuadée du retour de son mari. À chaque fois, elle regarde depuis la chambre maudite, le retour du seul homme au monde qu'elle devait épouser. C'est ainsi que prend fin la famille des Ravenswood, venue d'Écosse pour faire fortune. Henry Ravenswood repose avec pour lui d'avoir maudit la famille, privant ainsi tous les membres du bonheur de voir leur famille continuer dans la joie. La malédiction, monsieur, se font toujours avec une bonne intention. Celle de Ravenswood était de trouver le chantre idéal qui pourrait reprendre ses affaires. Celle de Mélanie était de vouloir plaire à son père. Et celle de Loussage était d'éviter tout, mais alors tout ce drame. Je pris congé quelques minutes après et remerciai l'homme. Alors je pris ma chambre et à l'aurore, je quittai cette ville. Quand je grimpais à cheval à ce matin-là, sans pluie, alors levant les yeux vers la maison Ravenswood, je vis au premier étage une silhouette qui me fixait. Je lui offris un signe de main, et contre toute attente, elle me le rendit avant de disparaître dans les ténèbres de cette maison. Je ne revis jamais cette ville, mais je suis certain que d'autres comme moi entendront parler de la légende, et ce pour les années futures. Personne n'échappe à l'histoire de Phantom Manor, baptisé ainsi par les hommes qui en furent témoins de leur vivant.